Maman, Jenny, une enfant. Elle s'appelle Aminata. Comme un voyageur qui voit défiler les arbres, mais qui ne peut fixer le paysage, tu la vois, elle est là, regarde vite, voit le marbre, elle ne porte plus de visage. Chaque seconde qui meurt dans ce monde, il lui fait refaire à coups de coups son portrait, se tait, et son silence gémit dans les échos de nos murs. Elle vit cacher son histoire dans la mémoire ouverte de ses blessures, mais elle ne se plaint pas. À chaque fois qu'il n'a pas, elle se réfugie dans sa prière, elle prie pour qu'il aille retirer en enfer, et elle se répète à elle comme une stimulante ritournelle. Maman, Jenny, une enfant. Maman, Jenny, une enfant. Maman, Jenny, une enfant. Plusieurs fois par jour, ils lui font les entrailles, ils lui déchirent la chair. Mais elle se fait douce caresse, prise de mer, elle soupire. Elle crie plutôt que le vent rapporte à nos oreilles les cris horrifiants de ses couleurs. À chaque fois qu'elle respire, donc insuffler un peu de sang dans son souffle qui meurt. Elle est plus heureuse, elle ne se sent plus rien. Sa chair n'a plus peur, elle ne ressent plus rien. Regarde ce qu'il a fait d'elle, un corps couvert de violence. Regarde ce qu'il a fait d'elle, une âme en perpétuelle souffrance. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Une adolescente, la vie séquestrée en cage, une adolescente, le cœur en esclavage. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Et à chaque fois qu'il la bat, elle ne se plaint pas. Elle se réfugie dans sa prière, elle prie pour qu'il aille retirer en enfer. Et elle se répète à elle comme une stimulante ritournelle. Maman, j'aime. Maman, Jenny, une enfant. Maman, Jenny, une enfant. Elle s'appelle Aminata. Ils lui disent, vois-tu ta sœur aînée, quelle honte, elle finira vieille fille. Toi, c'est bien, tout le monde raconte que tu fais l'honneur, la dignité de la famille. À 14 ans, on t'a sauvé de la solitude, de la nuit, dis merci, parce que de nos jours, c'est rare qu'on a chance d'avoir un mari. Et puis tu sais, un foyer, ce n'est pas qu'un nid d'amoureux, ça sert d'abord à conserver le feu, ça brûle. Alors ne t'avise pas de tourner en ridicule nos valeurs, nos traditions. Chez nous, un homme, il part par sa femme, il ne fait que parfaire son éducation. Chez nous, un homme, il est polygame, c'est normal, accepte qu'il ait plus de femmes. C'est la preuve que c'est un vrai talent. C'est donc quoi ces réflexions de petite blanche, d'égalité de sexe, de genre, de protection d'enfants en arcon? Surtout, ne nous mets pas à dos le regard de notre communauté. Sinon, ta mère et toi, vous serez châtiés, réduits, chassés loin de notre contrée. Et puis d'ailleurs, tais-toi bien, tous les livres saints le disent. Une femme, elle doit être docile, respectueuse et soumise. Alors, à chaque fois qu'il la bat, elle ne se plaint pas. Elle se réfugie dans sa prière. Elle prie pour qu'il aille nous tirer en enfer. Et elle se répète à elle comme une stimulante ritournelle. Maman, Jenny, une enfant. Maman, Jenny, une enfant. Maman, Jenny, une enfant. Maman, ils nous ont menti. Je veux être un peu plus tôt.